Et là, je vais voir le tram où il y a des messages écrits contre la loi travail. Non à la loi. Non à la loi travail. Myriam dehors. Non 49.3. 49.3 stop. Anti, anti, anti-capitalisme, ah, ah, anti, anti, anti-capitalisme, ah, anti, anti, anti-capitalisme, ah, anti, anti, anti-capitalisme, ah, anti, anti-capitalisme, ah, anti, anti, anti-capitalisme, ah, anti, anti, anti-capitalisme, ah. Anti, anti, anti-capitalisme. Camarades, c'est la rentrée sociale. On vous entend pas là, vous êtes là. Nice, Nice, vous êtes là, Nice. Ouais, c'est la rentrée sociale. Nice, dit, Nice, gens, il y en a. Soulève-toi. 1028 milliards de dividendes distribués aux actionnaires. 48 milliards au titre du CICE de l'Europe. De l'argent, il y en a. On a vu son corps, c'est Alstom. Mais Alstom, c'est la forêt qui... c'est l'arbre qui cache la forêt, Alstom. Le gouvernement n'était pas au courant. Ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient fermer Alstom. Comme le gouvernement n'est pas au courant qu'ils sont en train de privatiser la Poste. Le gouvernement n'est pas au courant qu'ils sont en train de privatiser EDF. Le gouvernement n'est pas au courant qu'ils sont en train de privatiser la SNCF. La police, les hospitaliers, tous les services publics de ce pays, ils sont en train de nous le privatiser. Nice, faites du bruit. Nice, Nice, soulève-toi. On est soutenu par 70% des Français qui sont pour l'abrogation de cette loi travail, pour l'abrogation de cette loi El Khomri. Elle va transformer considérablement le pays. Nos enfants, nos grands-parents, nos parents, ils auront plus de boulot, plus de CDI. Les entreprises, elles attendent pas que les décrets soient sortis. Elles sont déjà en train de mettre en place la loi El Khomri en nous remettant en cause les CDI, en nous remettant en cause le salaire, en remettant en cause nos congés. Donc oui, on a raison d'être dans la rue, c'est la rentrée sociale. Le 15, c'est qu'une étape. Il y a d'autres journées qui vont arriver. On l'a vu, la voix de Villepin, c'était le CPE. Soi-disant, ils lâcheraient pas, c'était pas la rue qui commande. Eh ben, on l'a vu, ils ont lâché, et c'est la rue qui commande. Donc vous avez raison d'être dans la rue, avec 70% des Français qui nous soutiennent. Bravo à vous, continuez comme ça. La lutte est toujours... elle est toujours gagnante. Merci mes camarades. Merci. Nice, Nice, soulève-toi. Ça va? Salut. Ça va?